50 siècles sont passés. C'est maintenant pour moi le moment où le ciel et la terre doivent s'unir. C'est le temps du grand départ. Pendant 5000 ans, j'ai parcouru les sentiers de la terre. J'ai enseigné aux hommes l'amour de la terre et l'amour des cieux. Je leur ai appris l'amour de la nourriture terrestre qui anime leur corps, l'amour de la beauté et de la lumière qui nourrit leur vie, l'amour du culte et de la prière qui nourrit leur âme. Je leur ai appris l'amour de la pensée et de la vérité qui nourrit leur esprit. Ainsi, ils ont appris l'amour des pierres et des arbres, des animaux et des hommes. Pendant 5000 ans, j'ai parcouru les sentiers de la terre en montrant aux hommes le chemin qui conduit aux grands espaces du pays étoilé. Aujourd'hui, ma mission s'achève et pourtant, elle ne prendra jamais fin. Je suis là, devant la grotte, près du sommet de la montagne, et j'attends un fils des étoiles, un être de ma race, perdu au milieu des hommes. Je le vois venir, lui, le mandarin. Il s'approche, celui qui sera mon héritier, celui qui doit enseigner pendant 5000 ans. Il se tient debout, devant moi, sans un mot, sans une parole, de mon âme à son âme, la force passe. Elle me quitte et il la reçoit. Il est mon fils, lui, l'un des 12 fils de l'Esprit. Il est l'un des guides de l'humanité. Je l'ai reconnu et je suis prêt pour le grand départ. Comme moi, il a connu l'épreuve du feu, de l'eau, de l'air et celle de la terre. Il a appris le langage des hommes. Ma force lui enseigne à parler aux oiseaux, aux arbres et aux montagnes. Comme moi, il connaît maintenant la langue des habitants du ciel. Il comprend les paroles des voyageurs étoilés. Il sait parler aux anges. J'entends de plus en plus près de moi l'appel, le grand appel, celui des esprits du temps, celui des fils du demi-jour. Et je sens la force me quitter, et je sens mon cœur s'ouvrir, et je sens mon esprit partir. Ils sont tous là, à m'attendre, mes frères, les voyageurs étoilés. Ils sont prêts à m'accueillir, prêts à me conduire vers l'esprit des mondes. Le pays des grands espaces s'ouvre devant moi et je laisse, loin derrière moi, la terre et la grotte, près du sommet de la montagne. Et voilà, un clair de ciel qui s'illumine de sa lumière.